Tout a l'air d'une fumée épaisse qui s'échappe d'un volcan en ébullition. Pourtant, tel n'est pas le cas. Nous sommes à la décharge de Dar es Salaam, la plus haute et la plus grande de la Guinée. Elle s'étend sur une superficie de 6 km. La fumée est constamment permanente ici depuis plus de 30 ans maintenant. Les habitants de cette zone sont exposés à des maladies respiratoires et pulmonaires. Abdoulaye Mané, la soixantaine, a toujours respiré cette fumée toxique. Bani Adama Haliji foye la min maiki a esprit mané mukaya bani Adama a esprit mané donc nawiya nana dimme ban dimme kuntunye ban dingé ba birin population birin torox yi tourima ibara la hidi tongo ni la hidi wala hidi tongo ilu dati o dati sa am réaliser ma dati o dati sa am réaliser ma. Il n'est pas le seul à être confronté à cette situation. Bangali Camara et ses amis ont leur habitation de fortune sous les pieds de la montagne d'ordures qui n'arrête jamais de fumer. Ils se plaignent de maladies respiratoires, mais sa situation de précarité ne lui permet pas d'aller voir un médecin. Benares. Faban. Nana mala kam Benares faban nan naki. Ibra comprend. Ameni imamula gara ko ga so ya ima ya. Igadi am 20h 21h. Anu me reve mala leri na de ka. Ido ko recré au ve ka. Pa na leri tanda ga so no ma vere. Ama to wonna be ya tinde tukutugi won torofi. Ka. Wala am a wonno ndege mana fanna won fet ma sha fan. Fure na makuya fe wonna ba ka won fure na ma sofi. Na to munna denda wai. Na fa mu mugi fandi ramura babe ali mamu mu mballo istoma ibarato na biri no ko fo mu manga na ne shu ibarato ka mu ngoi de mato mu ngoi de mato mu ngoi de ne mu nje ne mu ga ne ne ki na na men ne iba mu ngoi to mu fa fe mo bine mu bire mbine mu lu de ne ki ibarato ka iba mu ngoi ku ta na ma se mo legina menge legina ministre be legina ministre be ramu ko mali mutoro de erafatan eramugumali puti munno mufanno ma fende de sto de kina mufanga no fende de exploiter mufanno ma na sto de pise ileri fo mufanga mu sayina na de munno ma mumba be bara tagan ntaku manyete ma yat yat no ala sito ituri gituri mutoro ma be yat andumbu ya mukata mugumali afanga fa be asanyira agura asanyira amugumato be ali ma mufanga. Agora ya takan sayina na rafa ramu mato bi agala rawa be fanki na rafa be gambura mabili aga be yari rabi ni aga fa gambe fa ramato. Ibrahima Soare est marié à deux femmes et est père de 10 enfants. Lui et sa famille vivent des tris qu'ils font à la décharge. C'est de là qu'ils gagnent leur vie, malgré le danger permanent d'un effondrement de la montagne d'ordures, comme ce fut le cas en août 2017. Ils habitent dans deux baraquements qu'il a construits lui-même à la suite de la démolition de sa concession après le drame. Je suis là avec mes familles. Vous êtes un homme de famille? Moi, je suis 10 garçons et 10 gosses avec deux femmes. Et avec les jeunes frères de ma femme, avec le petit frère aussi. Nous sommes là plus de 20 personnes et quelques. Dans ce baraquement? Baraquement, oui. Si tu marches, tu dois dire, ah, je suis en santé, mais ce qu'on aspire ici, là, vraiment, tout autant, c'est Dieu qui connaît. Mais personne, je le dis, et je répète, les quartiers même, pas nous d'abord. Si tu as vu le fumier là, si ça renverse ici, c'est nous qui approchons, ça va sauter pour nous. Mais c'est que ça continue jusqu'à l'aéroport. Même quand tu vas là-bas, tu vas demander les gens qui travaillent là-bas. Ça continue jusqu'à Dobrika. Il vous arrive de partir à l'hôpital pour vous faire consulter? Bon, c'est ça que je te dis. Si tu n'as pas de moyens, qu'est-ce que tu veux faire? Ça.
T'as vu? Voilà. Vous vivez comme ça dans cette situation? Voilà, justement. Son épouse, Mariam Camara, elle s'adresse directement au président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Le cimetière du quartier Dar es Salaam, situé juste à deux pas de la décharge, est régulièrement envahi par les eaux usées qui descendent du flanc de la montagne d'ordures. Cette année, une bonne volonté a financé l'entretien du royaume des morts. C'est Mamadou Bobo Diallo qui gère le cimetière. Il a souvent assisté à des inondations au niveau de ce lieu d'enterrement. Il est venu de la Zanaconte. Il est venu de Ségouré. Ardo, il n'a pas été. Ardo, il n'a pas été. Il n'a pas été. Il n'a pas été. Bon, je suis marié de la Côte à la Boisarde. Tu es un ciel qui est 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 Il y a des quartiers qui sont là, Dar es Salaam, deux d'abondings. Il y a des gens qui sont là. 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 Il y a des sukabe yo gabe no walde to men kadi moy ngala be ron gobe ciudi be arbe landi me sabi jede men jotti ben jonni be hibe ton aray men wumpiti ka ndu kadi wonde ma sabu yede den do ndiyan dan natir do kamir da ha berde de hewi tef awa on tuwa men do di masom me be men yalti ndiyan dan awa ferma men on wete betona kontu bada ngati natu don tanji ni ara yiti do nabi yeso ndiyan dan natay ba haynu wendu da ka fora so wonda dan ndiyan do seri ko da wondewde do haydan nati do nyande ton bu bi hako bay nyande do be addi massivi gi buri don gi wadi fose wongo dan jokki fose wongo awa kontu ba dan hakindito cellal jama on ko on woniri ala Dar es Salaam berde sel wi do manu selli do na goga makko ki jurgi kene nga walto ka sodu ma imoda tawa la yite ka der sodu ma to bodo ma la jurgi der to nat ngi turki wi balewi kadi immina pouseri wi balewi dara mo wi da sa walike ata ko no bawdi ko ngal fere hodi ni on do hon ah do ala ala kame ya sibere mardo kame ya me ya no be rada be do kadi be radi ci werade do ki bare no ha jodi be bare no ha jodi be ko do say mi ko do joni no do lagine satire hande ni ko do labata bagasi mo na da no yide jettu awa vraiment ko dum dum ci be de mardo mo ngare de mi wi do nebi. Le rêve de tous les habitants de Dar es Salaam est de voir un jour leur quartier débarrassé de cette montagne d'ordures. Pour l'heure, ils inhalent sans le vouloir l'odeur de la fumée des ordures de Conakry.